Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous faire le nettoyage de l'enclos des lapins et le nettoyage de la cage des chichis. Donc c'est parti, je vais vous expliquer tout ça. Alors vu que ce matin il fait beau, il y a du soleil, là il est à peu près 10h20 du matin, je vais mettre les loulous dehors et comme ça je serai tranquille pour nettoyer leur enclos. Là j'ai mis les loulous dans la caisse, ça a pris 2 minutes, même pas, et là je vais aller les mettre dehors. Leur foin et leur eau comme d'habitude et un plaid pour qu'ils aient un coin d'ombre et un coin de soleil, puis comme ça ça cache un petit peu du vent. Pour ceux qui me demandent comment je fais quand il fait pas beau ou quand c'est l'hiver, les loulous restent à la maison dans la pièce animaux. Généralement ils se mettent dans un petit coin et ils me laissent nettoyer leur enclos. Ou Nozette est un peu curieuse, des fois elle vient me voir. Là, la première étape, je vais enlever tous les accessoires. L'enclos est vidé, donc j'enlèverai juste les gamelles à feuilles parce que j'irai les laver. Le tunnel là-bas il est accroché, j'ai juste à passer un petit coup d'aspirateur en dessous. La caisse je vais l'enlever, j'ai enlevé les plaids et les jouets. Les plaids je vais aller les mettre dehors pour les secouer un petit peu et puis pour qu'ils prennent l'air. Ils sont étendus, on passera un petit coup d'aspirateur tout à l'heure dessus parce qu'il y a beaucoup de poils. Une fois que je me suis occupée des plaids, donc je vais m'occuper de la caisse parce que là elle est très très sale. Je vais la vider dans la poubelle, je vais aller la nettoyer et ensuite je remettrai des pelés de bois et du foin aussi s'il y en a plus. La caisse est propre, donc là je vais mettre les pelés dans la caisse tout simplement. Et je vais pas en mettre beaucoup parce que ça gonfle énormément. Donc si vous avez des pelés de bois, n'en mettez pas beaucoup, un fond ça suffit. Ensuite ce que je fais c'est que je prends la caisse à foin et je vais remettre du foin dans la panière. Je le mets comme ceci parce que quand je mets du foin, ça en met partout, donc je préfère mettre la caisse juste en dessous. Des loulous est propre, je vais juste passer un petit coup de vinaigre et un petit coup d'eau. Ensuite je remettrai tous les jouets et j'irai aspirer les plaids des loulous. Du coup je sais pas si vous avez vu dans la vidéo, mais j'ai aspiré les jouets qui étaient là-bas parce qu'il y avait des poils dessus et à chaque fois je le fais, je préfère enlever les poils parce qu'après ça vole dans toute la pièce. J'ai préparé un grand seau avec de l'eau chaude et du vinaigre, comme ça tout à l'heure
Je vais passer un petit coup aussi dans la pièce animaux en entier. Je suis désolée si vous ne m'entendez pas, mais il y a la machine à laver qui tourne en même temps. J'ai juste aspiré le plaid rouge avec mon chéri parce qu'il y avait plein de poils. On n'a pas aspiré celui qui était en bleu. Il y avait un pipi dessus, donc je l'ai mis carrément en sale. Je vais en remettre un nouveau. J'ai juste à remettre les plaids et de l'eau dans les gamelles. Donc tout est propre. Pour l'instant, je laisse les loulous dehors parce qu'il fait beau. Et là, on va s'attaquer aux chichis. On passe aux chichis et comme les lapins, je vais les mettre dans la boîte de transport. Sauf que eux, ils vont y rester le temps que je nettoie la cage parce que j'ai pas envie qu'ils se baladent partout. Ça y est, j'ai été chercher la cage de transport pour les loulous. Je les ai mis dedans et là, je les laisse sur mon lit dans la chambre parce que avec le bruit de l'aspirateur, tout ça, ils ont peur. Donc je préfère qu'ils restent ici en attendant et après, à la fin, je les remettrai dans la cage. Alors la cage des chichis, ça va aller assez vite, donc la première étape déjà, je vais vider toute la cage. La cage est vide, j'ai enlevé les hamacs, le râtelier puisque je vais le vider tout de suite dans la poubelle. J'ai juste laissé le tunnel qu'il y a tout en haut juste ici et les plateformes en bois parce qu'il y a juste à les aspirer. Là je vais passer un coup d'aspirateur dans la cage. La cage des chichis est presque terminée, là je vais passer un coup de vinaigre sur les plateformes et un coup de lingette. Du coup j'ai préparé ce qu'il fallait, donc j'ai pris un gant de toilette mouillé avec de l'eau et du vinaigre, le gant de toilette sec pour essuyer et les lachettes après juste pour passer un petit coup. J'ai juste à remettre le râtelier, du foin, à laver le biberon, à remettre les jouets des chichis, les hamacs et ça sera fini. A chaque fois je leur mets deux hamacs dans la cage. Pour ceux qui me demandent, j'ai enlevé tous les trucs comme ça là, les lanières, j'en sais rien, ce qui était avec le hamac pour accrocher avec le mousqueton.
Je les ai enlevés parce que les chichis n'arrêtaient pas de les manger et à chaque fois le hamac s'enlevait. J'ai enlevé le dernier que j'avais oublié, du coup il reste plus que le petit mousqueton, enfin le crochet, je sais pas comment ça s'appelle. Et j'ai mis des chaînes comme ceci, comme ça quand j'enlève les hamacs, j'ai juste à enlever le petit mousqueton, enlever le hamac, le mettre au sale. Les chaînes restent accrochées et j'ai juste à remettre des nouveaux hamacs. J'ai remis tous les hamacs et la cabane avec le plaid. J'ai juste à remettre le râtelier et à changer l'eau. Ça, je vais juste passer un coup d'aspirateur et un coup de récurage dans la pièce animaux et après ça sera terminé. Voilà tout le monde, la vidéo nettoyage de l'enclos des lapins et des chichis est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai pas montré à la fin quand j'avais fini de récurer, donc j'avais aéré la pièce, c'est ce que je fais à peu près tous les matins pour renouveler l'air. Là j'ai remis tout ce qu'il y avait par terre, donc le plaid, les jouets, le gros jouet en bois, le tunnel. Pour finir cette vidéo, donc je vais vous expliquer tout vite comment je fais. Donc toutes les semaines, je passe la scie, je donne un coup de récurage, etc. La caisse, je la change 2 à 3 fois par semaine. Et les plaids, tout ce qui est plaid par terre, je le change une fois par semaine aussi. Et tous les matins, ou presque tous les jours, je passe au moins un petit coup de balai pour enlever le plus gros. Et enfin, pour les chichis, c'est tout ce que vous avez vu dans cette vidéo. Donc une fois par semaine, je change la caisse et je change aussi les hamacs. Et ensuite, tous les jours, je passe un petit coup d'aspirateur sur les planches pour enlever le maximum de crottes. Comme ça, à la fin de la semaine, il n'y en a pas beaucoup. Et aussi, c'est pour que ça soit un minimum propre dans la cage tous les jours. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous fais des gros bisous. Bye !